Je se lance. Je se lance. Voilà. Ah bah oui, je l'ai laissé en anglais. Oh mon Dieu. On se touche bien pourri. Pour des LAVF. Ça devrait pas être long. Le temps tue méga. Devrait le prendre correctement. Ça a l'air d'être bon. Niveau de difficulté. Point man, voilà, donc on est obligé de prendre point man quand on est en solo. Compte à rebours pour lancer une partie en solo, c'est magique ça. Ouais. Was the favorite. I gave them what they wanted. Ils sont battés tellement les couilles qu'ils ont même pas fait de VF quoi. Homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Donc ça c'est l'événement de Fear 1.
bound by blood. C'est Alma. Normal. Pour moi, il y a des cinématiques. Je crois que j'ai un tympan percé là. Qui c'est que t'as tué ton frère ? Oh, mais justement, dans les DLC, justement, c'est pas censé, c'est passé, c'est. Rien à voir dans les DLC. Le truc, c'est l'histoire du 1, se continue dans le 2 et puis dans le 3, et les DLC n'ont vraiment rien à voir, c'est complètement annexe. Je ferai le DLC de Fear 2, mais j'ai oublié celui-là. Alors le DLC dans... enfin après Doom. Ici l'agent Fear, James Quan. Tout allié de l'armée américaine. Veuillez répondre. Fairport tout entier est en ruine. Les équipes de nettoyage d'Armacam tuent tout ce qu'ils trouvent. Je me suis caché dans les tunnels souterrains de Fairport. Je n'arriverai pas à m'en sortir seul. C'est vrai, nous devons fuir. Mais pour elle... On s'en bat les couilles ici pour l'utilisation micro. Halt! What? Putain! Oh merde! Je me suis pas fait mal, t'inquiète. Ramenez-vous, il s'échappe! C'est mort, vous sortirez pas d'ici! Et un gros fou bien dégueulasse. Hey
Voilà, ça me fait chier dans ce jeu-là, c'est que... Ah mon dieu, il part, il y a Alma partout tout le temps, ouais, génial. Attention. Leurs armes qui disparaissent. Arrivée prévue dans 2 minutes. Que tous les escadrons se préparent à recevoir et à intégrer les nouvelles unités. Pourquoi est-ce que ces connards mettent tant de temps? Pourquoi maintenir? Ça aussi c'est chiant. Profite du temps mort. C'est qui ce fameux? Merde, il est à terre! Tout ça te revient bien rapidement. Salut Deluxe. C'est flou, c'est perturbant. Je joue en ici. J'ai pas fait de changement, connard. Personne y des yeux, ouais. Un tir de couverture. Près de la porte. Vitre par balle, ici. Merde. Merde. Il recule, bizarre. Quelqu'un le voit? J'y suis. No recoil. C'est quoi ce bord? Oh putain! Répétez bravo 2-5. Qui s'est échappé? Bravo 2-5, vous me recevez? Est-ce qu'on a un intrus? Comme je l'ai dit, c'est pas forcément un mauvais jeu, mais c'est pas un bon film. Mon dieu, le sang monte! Attention avec ta lampe de poche, elle va te faire repérer. Pas en vadrouille dans le coin. Est-ce que vous êtes là? Escadron en avant! Merde, merde, merde! Il est derrière ces caisses! Turbo, on avance très vite, même en visant. On entend bien les bruits de pas. Mmh.
Oula, on va se calmer. Passe pas quoi. À cause du headshot qu'il est aussi bien foncé. On croit. C'est un outil avec un chargeur. Enfin, ça existe, hein, mais bon. Enfin, c'est normal, quoi, dans ce sens-là. Dans ce cas-là. Je sais pas s'il y a moyen d'accéder à ça en dessous. Probablement oui, mais... Je vais passer une demi-heure à chercher. Ok, c'est verrouillé. Oh. Je voulais me dire qu'il est encore en vie, quoi. Achevez les défis pour obtenir des points de classement. Vous voyez, pour voir les défis en cours. What? Oh la arnaque. J'ai crevé aussi. Hein.
C'est bien, j'étais à 5. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plus que ces grenades là. Attention à toutes les unités. Une expérience d'importance majeure s'échappe. Le sujet se dirige vers la cantine. Interceptez-le. Salut Silis Soon. Attends, le Warhammer c'est... quelque chose. Ah, le dernier, ok. Commandement, ici Yankee 4-1, en position dans la cantine. S'il passe par ici, on l'aura. Vous entendez? On commence à manquer de tireurs. Je prends position. Déplacement. Visuel perdu. Traquez-le. Oh putain. Derrière la caisse. J'ai un visuel. On va aller se sortir. J'étais collé en fait à la caisse et il en faisait le tout. Système de couverture. Faut aussi que je fasse le Warhammer merde, celui avec les TPS. Ça ressemble. De quoi d'en avoir? Oh bien. Ouais, pourquoi pas le dernier, j'y ai jamais joué, ce serait une bonne occasion de le faire aussi. Mais c'est pas d'en avoir dont je parle, c'est Warhammer 40 000. 40k, enfin, 1 en TPS.
Arrêtez là. Attention, tout le monde. Cible devant. Merde. Putain, il y en a partout. Reculez, allez. Putain, à couvert. Continue à ramper, mais il a plus de tête non plus. Ouais, c'est ça. Le space marine. Très au point qui ne fait que te rusher sur la gueule en plus. Gérer le blister. Ah oui, oui, oui. Je suis passé à... T'es passé où ? Te voilà. On va faire ça vu qu'il y a des points à gagner. Et si c'est même pas le fait d'être stratège, c'est le fait que c'est simplement, ils vont tous venir en parent pour te push sur la gueule. Donc ils sont plus agressifs, mais dans un sens où c'est pas forcément mieux en fait. Et ça oui, ils étaient plus tactiques, ça. Ryan Jenkins. Ici Delta 2-3, cible perdue. Direction le bloc de cellule Charlie. Il y a pompe en plus. Promu, expert, on veut bonus capacité, coup de pied glissé. Ah. Ok. Mais franchement, les animations sont bien faites, le combat est encore agréable, mais c'est pas un bon fil. C'est le truc qu'il y avait à voir. Non mais attendez, moi quand il fait noir, il fait noir. Hein. Vous entendez?
C'est ça. Ah non, je suis pas dans la merde. Oh putain. Que je veux que d'aller par contre. J'aurais peut-être pas jusque là non plus. Hein. Oh. Comment il lance ses grenades? Mon dieu. Même eux, ils savent pas comment on lance des grenades, quoi. Dire si elles sont pourries. Ah oui. Ah ça, franchement, je suis deck, parce que le seul passage du jeu qui était relativement effrayant, c'est un putain de QTE, quoi. En gros, le truc, c'est que... Bonne nuit, Deluxe. Le truc, c'est que...
Les mecs qui ont développé le jeu, tu vois, ils ont complètement laissé tomber la licence Fear et ils se sont dit on va faire un Call of Duty, c'est... Ouais, j'ai débloqué Fettel pour cette mission. Debout, ils arrivent. Ah ben y'a plus d'eau. Et on a perdu nos armes. Oh putain, chiant ça. Déployez-vous, gardez l'œil ouvert. Il doit être quelque part par là. Ah mais plus de nombre de poches. Ah, j'ai l'impression que c'est en un. Ferme les portes. On est bien éduqué. Cancer du sida. Oh là là. Ça, on va me dire, c'est Fear. De la puissance du PC, je crois. Déployez-vous, 3 mètres d'écart. Ici hôtel 2-6, demandons soutien transporteur et méca. Le fauvé est minuscule. Reculez, allez!
Les bugs, ils me rappellent un petit peu Fallout 4. Difficile. Enfin, c'est pas. Il y a mieux, mais il y a pire. Hein. Voilà. Bien vu en dual de pistol parce que là il est un peu. Enfin il va être vite déplacé je sens. Le pupio à pompe c'est pas trop ça quoi. C'est déjà fini, rends-toi. Sera sûrement le seul moyen de s'enfuir. À 3 heures. Baissez-vous. Bien reçu, on avance. Cible perdue. Ennemi en vue. Derrière les tonneaux. Ennemi en bas. Tout mon putain d'escadron a été tué. Ah.
Non, mais c'est une fracture très très forte. Il fait que son tibia est remonté et a détruit des parties vitales de son corps. Ouais. Oula. What? C'est passé quoi là? Marine explosif, ok. À commandement, cible perdue. Continue le balayage des bâtiments vers le marché. Donnez-moi 2,50 mètres d'écart. Cible acquise. Cible en dessous. On avance. À couvert, putain. Je suis à sec, des munitions. Tout le monde à terre. Vous arrêtiez de bouger. Position. Quelqu'un le voit? Derrière les tonneaux! Touchez-vous! Et notre héros dans Sniper Elite V2, il a fait la même. Hein. Pour le prochain, je vais faire un tir ralenti. Salut à la Bastra. Oh mon dieu, j'ai raté ça. Ouais, je prends une mini. Grenade zap. Charlie 2-6 à commandement. Il y a les grenades. Oh, les mines même. Précédent. Ah, pas gentil.
Tu parles d'une fuite facile. Merde. Ouais, ben c'est comme j'ai dit au début, c'est pas forcément un mauvais jeu, mais c'est pas un fire, quoi. Ah bah voilà. Il y avait qui a demandé. Tu parles d'une fuite facile. Ça revient à peu près au même. T'as la même sensation au final. J'aime bien quand ils disent ça dans les jeux. Ah, je suis tout seul! Les dogs sont marrants. Rôle de Sébastien Chabal. Je vois pas. Bon, les pieds glissés, c'est ça? Descend du second. Ah bon? Ah putain, quand même, ouais, quand même. Les ragdolls en elles-mêmes, c'est un argument de vente. Nous devons suivre cet hélicoptère. Hélico Echo 2-4, convoyez vos charges restantes à la zone d'atterrissage 1 Beta pour le transporteur de phase. Bien sûr, commandement. Mais mes instruments de vol sont mal en point. Demande de me replier une fois la charge larguée. Hôtel 5-7 déployé.
Maintenant, on a droit à des super soldats. What? Bah, comme du... quand on parlait des hitbox, sérieusement, quoi. Cible toujours active. India 2-4, transfert de phase imminent. Les oreilles, quoi. Parfois c'est perturbant, la souris, il y a une accélération bizarre. Attends, la visée. Ouais, quand il est en train de zoomer, si on bouge, ça part en couille. Faut le faire. Ouais. Ouais. C'est pas les bonnes grenades, mais bon. Ok, c'est le baril qui a fait... Ok. Je jouerai probablement d'ailleurs au prochain Deus Ex. L'acheter sera peut-être pas pour tout de suite. Hop là. C'est mal hein, cette espèce d'enculé. Exactement le fusil. Enfin, il ressemble très fortement au fusil dans Doom. Statique. Ah putain, t'as dû passer quelques heures, quoi. Elle est vite montée l'hélico. Et quelle vidéo t'ont le plus plu? Enfin, quel walkthrough? J'allais pas douter de toi une seconde.
Les mecs qui se tuent tout seuls. Oui, je l'ai tué avec une glissette parce qu'il était rouge, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus beaucoup de vie. Quoi. Je ne sais pas, tu me poses des questions qui n'ont pas de réponse. Je sais pas si c'est ma tour qui est en train de cramer à cause de ce jeu. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait de tuer son propre ? Ici on a parlé de tout gonfler. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça très agréable. Tu n'as même pas songé à mettre tes ordres en doute, n'est-ce pas ? Tu t'es juste contenté d'obéir. Maintenant que j'ai vu la photo de Shabal, je vais tout le temps me caler en voyant sa gueule. Tu es donc resté cavale. Et ben moi je sortais de. Je venais du bordel et j'ai dit. Rigolo. Cet arrêt devient plus agressif. On a perdu 5 ans aujourd'hui. T'es vraiment malade de retourner à Fairport. Tu tiendras pas une minute là-bas. Si on ne bute pas, c'est taré le front. On dirait que la pitoyable tentative de nettoyage d'Armacam ne se passe pas si bien. Ah, c'est pas du tout mon trip, moi. Il faut que tout le monde y meure. C'est une mission, mais c'est ridicule. Ah ouais, deux roquettes dans la gueule et il est mort, hein. Ah, c'est des bougies. Il monte pas cette fois. Ah bon. Je vais jamais faire attention de ça. Truc suivent nos mouvements. Wow. En minimum.
Ouais. On peut dire avec quoi je faisais les boss. Premier, je sais que je l'ai fait au lance-roquette. J'ai pas fait long feu non plus. Ça, le premier, il était marrant parce que quand tu faisais ça, les ennemis ils s'envolaient. Parce que littéralement. Ce tissu-là, on peut pas passer. Ah, ok, c'est ok. Bon, ça a rien d'aller là. EDF de quel jeu? De Deus Ex ou... Gros redneck. Ne vous méprenez pas, on nous pourchasse.
Ouh. Ah, ils volent bien. On peut quand même tuer les robots. Enfin, détruire. Ses armes. Bon bah les rats aussi ils veulent bien apparemment. Je suis une gomme. Alors moi je ferais plutôt le tour pour voir s'ils sont bien tous morts. Max Payne 2. T'as bien un lien psychique avec un mec mort. Je tous les tue comme ça, c'est trop marrant. Sauvegarde. Ouais, c'est un peu moins marrant. Oh putain! Il est blessé.
C'est violent ce corps à corps. Devant Simulator. Ouais. Censé voir. Non, ne me tue pas. Ok. Ouais, ça dépend pour qui. Ça m'empêchera pas de tuer tout le monde. Merde. Oh merde, mais vous m'avez rien dit en fait. Oh putain. Parce que l'affiche là. Hein.
est... Ah oui, c'est encore bas. Eh bien, bonne nuit binocle. À la prochaine. Négatif, commandant. Un grand négatif. Bien reçu à tous. Regarde derrière toi. Bah, faut vraiment prendre le duel, hein. Je crois qu'il y a aussi des records de tympans percés qui vont être... C'est lui qui faisait la pénétration, hein, pas l'inverse. Pas compris non plus le nouveau monstre et leur trip avec la putain de forêt.
C'est à cause de toutes les streameuses qui se mettent à moitié à poil, là, ça les trigger. Faut pas le dire. Salut Véroun. Il y a pas mal de balles en plus dans ce truc. C'était bien ramasser la gueule. Du temps de ralenti. Je sais pas. C'est ça la question, justement. Ah oui. Ça aurait voulu être une parodie, ça aurait été réussi. Ah merde. Énorme, énorme. Oula. Ah oui, passe à travers, te tracasse pas, c'est pas un souci. Ah. Ah, j'ai encore le pisse. Ah merde, oui, ils auraient été aussi. Ah, j'aurais bien voulu. C'est dans mes cordes. Après, j'aurais essayé au moins de rendre le jeu plus crédible. Apparemment, c'était pas dans leur corde. Je crois que c'est bien ramassé la gueule.
Eh bien, s'il existe. Faut cumuler les deux, hein, il peint en crachant avec son somme. Ah merde. Ah ben ça. C'est juste que tu ne comprends pas tout. C'est pas assez edgy que pour définir ça comme de l'art. Pas une mauvaise chose. Magnifique. Carré blanc sur fond blanc. Putain, vous auriez jamais dû montrer la gueule de Chabal, quoi.
C'est fini, le jeu est mort pour moi. Il était déjà mort, mais bon. Mission. Ah, il y a 8 missions. C'est que à cause de ces putains de bandes noires, ça a déterminé où se trouve réellement le dessous de l'affichage du jeu. Merci, fumigène. Pas possible. S'il a changé. On va voir comme ça, normalement on peut le distinguer à cause des points. Où est-ce qu'il m'a vu ce con? Ah, je joue aussi en fusil d'assaut. Je crois que c'est à partir d'ici qu'on va débloquer le personnel ATC est là pour... Viaclou. Fils de pute ! Putain de merde ! Ah mais tu fais crever. Si tu te sens obligé de sauver cette femme, le plus rapide est de passer à travers les maisons, pas autour. Procéder à l'évacuation de Fairport. Veuillez rester calme. Le personnel ATC est... Une pas de planche, je ne vois pas des armes. Bizarre avec la visée. Sinon le cul.
Merde. Dépêchons-nous. Plus vite on la trouvera, plus vite on pourra passer à des choses plus importantes. Il s'échappe! Retournez au secteur 2A Beta! Qu'est-ce qu'il fout derrière? T'es passé où? Merci. Ça me fait chier, j'ai l'impression d'avoir une accélération maintenant sur la souris. C'est perturbant. On va viser. Où est-ce qu'il sort lui ?
G33AR. Pour faire simple. Ouais. Ouais. Si j'ai aussi été gérer pas mal de trucs et c'est correct. Franchement, c'est correct. Après, il y a plusieurs valeurs à changer. Non, non, il n'y a pas que toi, t'inquiète. Ouais, mais bon, pour arrêter une hémorragie de la tête, c'est un peu... Après un headshot, on va dire. Un peu chaud, quoi. Hop. Corps qui disparaît, on va faire du bordel. Ont pas traduit ce coup-ci. Aurait-il le sang passé? Jeu, vous avez fait une maison mais super oppressante, c'était Condemned Criminal Origin. Oh putain, la fin c'était ouf. Dans la maison c'est ouf, c'est prenant quoi. C'est vraiment génial. Non mais c'est quelqu'un qui trouve de quoi faire en garrot, tu vois. Oui, non. Soit on revient plus tard, soit on est sur cette porte là alors qu'il y a centaines de portes qui sont verrouillées mais qui n'ont pas l'exception de verrouiller. Mort ce con. Nous tous les monstres. Viens de là.
Ah, c'est peut-être la porte verrouillée. Surprise. Même pas. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière en fait. C'est pas que j'en ai marre de tourner en rond. En fait, j'en ai marre de tourner en rond. Ils sont même pas morts. On bat les couilles. Ma famille sera celle de Dieu parmi les hommes. Oh, ça sent le combat de boss de merde. En fait. Le combat, merde. On peut recharger en sprintant. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais un ralenti. Le passage à niveau qui me le rappelle.
Je vous jure, l'année prochaine, je vais avoir... Effrayée. Mais... Je réponds qu'elle n'est que rage, hors de tout contrôle. Elle a le carpier en morceaux. Bon, c'était pas dans ces mots qu'on appelle le fusil. À clou. Salut Liberty Prime. Oublie donc la fille. La sauver ne te débarrassera pas de tes démons. Elle est absolument insignifiante par rapport à ce qui se passe autour de nous. Tu as 2 ans et demi. Bonsoir Véron. Ça va bien, mais je crois que tu arrives pas loin de la fin. Je pense que je vais faire encore une mission et je vais en rester là. Parce que demain, il faudrait quand même que je m'occupe de mes examens. Essais et HTML. Et design web. Ça me fait chier. Ce qui nous importe est de réussir à contrôler une chose effroyablement puissante. Commandement, ici Sierra 3-5, j'ai la fille dans une demi-heure. Tiens-toi prêt, ils savent que tu es là. J'ai cru comprendre. Ah oui, c'était peut-être pas la meilleure idée de se cacher derrière. Tiens-toi prêt, ils savent que tu es là. C'est lui. Je dirais bien au diable les exams, tu vois, mais je gagne pas encore ma vie en faisant des streams sur Twitch, tu vois. C'est ça. Je vais déjà finir mes études. Ce serait déjà bien. Bon, j'aurais fini ça. Bon, je posterai mes CV un petit peu partout. Ça, je suis parti normalement bien qu'en Belgique, j'ai... Bon. Là, tu vois, j'aurais peut-être un petit peu de temps à consacrer à mes vidéos. Bref. Un couvert ! J'arrive pas à le voir ! Oh là là, l'aim punch de... Ouais, c'est ça. 1500, oui, oui. Oui, oui.
Ah lol. Putain, vous aussi ça vous éclate les tympans ce truc là. Ils deviennent plus puissants. Système de navigation et d'armement activé. Protocole de sûreté désactivé. Vous pouvez ouvrir le feu sur tout ce qui est ennemi. Combat de boss. Je devais laisser les dieux pour seuls héritiers. Il y a une son si bizarre, c'est... Ça me perturbe. Mais ses héritiers sont devenus des monstres. Allez, vous-en. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Cible en route vers station relais. Bien reçu. Escadron, repliez-vous. Laissez-le passer, on s'en occupe. Est-ce que t'as vu ça? Je lance une grenade. Allez, allez. Merde, merde, merde. J'ai touché. Thanks.
Avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Derrière la machine, il y en a 50, il n'y a pas de soucis. On peut faire boum boum. Il est près de la porte. Quelqu'un le voit ? Avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Je pensais que c'est des boîtes électriques. On va devoir prendre ça. Ouf, avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Voilà. Ça fait pourri. Pas nouveau, la première fois, je me rappelle que c'était vraiment un combat, mais de merde. C'est un truc magique. Okay, bon, de là-bas, je tirais pas sur les bons trucs en fait. C'est le transport de troupes de demain. C'est pas fini. C'est bien ce à quoi je pense. Non. Non. Comment ça ?
elle serait contente. Je savais que tu reviendrais me chercher. T'étais où, putain ? Qui c'est, pute ? J'ai quelque chose qu'il faut que tu vois. Il s'appelle Michael Beckett, Escadron Delta. Apparemment, il s'est retrouvé mêlé au projet secret d'Armacam. Alma. Tu vois, la famille, comme je n'arrête pas de te le dire. Cette salope est devenue obsédée par moi. Vous ne comprenez donc pas ? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont créé ? Qu'est-ce qu'ils pensaient pouvoir tirer de bon de ce cauchemar ? Vous m'entendez, Armacam ? Elle est enceinte, putain ! Un fantôme en chair et en os. On doit agir immédiatement. Empêcher que ça arrive. Comme si elle savait quoi que ce soit. On peut dire ça. Ils ont un lien psychique, tout ça, vu qu'ils sont frères. Ouais, j'ai un bonus de santé de 10%. C'est plutôt dans celle-là qu'on a le fusil à clous. Nous, on fera cette mission demain, ou peut-être pas demain. Parce que franchement, je suis réellement à la bourre pour mes putains d'examens. Ah, mes oreilles! Oh putain! Victor 3-9, négatif pour l'évacuation. Maintenez votre position. Reçu, on bouge pas. Y en a d'autres qui arrivent! Merde, dernier chargeur! Maintenez le feu!
Allez, couille. Bon, ben voilà. Ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. On verra la suite, soit demain, soit prochainement. Et voilà. En tout cas, ce ne sera pas demain en journée. Que je fasse CSS. Donc voilà, passez une bonne soirée ou une bonne nuit et à la prochaine.